Il y a certaines femmes qui aiment la violence. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'a pas encore été bastonnée, elle ne serait jamais à l'aise. Dès qu'on met pose main sur elle, elle devient donc dans ses sens normal. C'est pratiquement incroyable, pourtant vrai. Certaines femmes au Cameroun aiment se faire violenter dans leur foyer. Pour elles, la violence est une preuve d'amour. Si mon homme, lui, il est jaloux, il doit manifester. Il va avoir une gifle, il va avoir peut-être une bastonnade. Je saurais qu'il m'aime. Mais s'il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'est pas par rapport à moi. Les petites claques dont on fait les problèmes, les petites claques, après ça finit comme on connaît là. Oui, petite bastonnade. Dans un couple, ça existe, hein. On ne faut pas qu'on se mente, ça existe vraiment. Mais pas, on n'exagère pas quand même. Curieux, lorsqu'on sait que le Cameroun, comme d'autres pays du monde, observe les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. 16 jours de sensibilisation qui ont amené plusieurs hommes dans le passé à stopper ces violences, notamment conjugales. D'ailleurs, nombreux n'oseraient poursuivre une vie avec une femme qui aime la violence. Je ne peux pas vivre avec une femme qui adore la violence. C'est une question d'éducation et de mentalité. C'est une question de culture aussi. Parce que si vous aviez été élevé dans un milieu où on prône la paix, la tranquillité, je ne vois pas en quoi vous serez intéressé par la violence. Si ça ne va pas, on se sépare. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. À force de violenter sa personne, un incident majeur peut arriver. Raison pour laquelle je suis contre ça. Si on passe par le dialogue, ça ne va pas. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bête à que je pense que c'est pas. Oui, mais comprendre aussi que dans une vie commune, tout peut arriver. Mariam demande de supporter. C'est le mariage. Quand on est en couple, on doit se supporter mutuellement. Le jour qu'on s'amuse, on s'amuse. Il peut arriver des jours qu'on se bagarre. Bon, moi, par exemple, sur 6 à 8 mois, si mon homme et moi, on n'a pas peut-être de problème, je le provoque. Je le pousse à se fâcher. Mesdames, aucune violence ne se justifie, car les conséquences sont généralement néfastes.